parler d'elle. Quand il faisait son truc là, chez les Attis, là, les 46 choses, docteur, il n'était pas encore en prison. S'il a pu parler même depuis, donc nous on met nos vies en danger. Parce que le président Laurent Gbagbo, plus de 007, il a été chaud. Même s'il a travaillé peut-être là-bas, mais il a été cyberactiviste. Mais nous on met nos vies en danger là, c'est cadeau quoi. Parce que si vous ne sortez pas comme ça, ben nous là, on va se dire, moi je vais aller, moi je vais aller voir maman en Côte d'Ivoire. Ma maman, elle, elle est vieille. Elle n'est pas jeune. Ma maman, là, c'est tout ce qui me reste dans ma vie. C'est elle qui me reste. Ma maman, là, c'est tout ce qui me reste. Donc, moi, là, je veux qu'elle vive. Je vais aller la voir. Je vais manger avec elle. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va avant. Dans les temps avant, on dit non que c'est les parents qui partaient d'abord et puis les enfants. Maintenant, là, la vie n'est pas comme ça. Je peux partir. Donc, je veux profiter de ma mère. Donc, attendez. Il ne faut pas RHDP, là, ils vont me menacer à cause de vous. Si vous, là, vous, c'est de Pelé, vous parlez. Moi-même, là, je vais parler d'Américain aussi sur mon mur.